Hello everyone, bonjour and welcome back. In today's lesson, we will learn the important things and items you find in a hotel and how to say them in French. Un hotel, but we do the link and we don't pronounce the H, it's a silent H. Un hotel, repeat after me, un hotel, a hotel, un hotel. Le numéro de chambre, the room number. Le numéro de chambre. Le numéro de chambre, the room number. Une réservation. Une réservation. A reservation. Une réservation. Une réservation. A reservation. La réception. La réception. Repeat after me. La réception. La réception. The reception. La réception. Le service de chambre. Le service de chambre. Repeat after me. Le service de chambre. The room service. Le service de chambre, le service de chambre. Le service de blanchisserie, le service de blanchisserie. The laundry service. Let's repeat together. Le service de blanchisserie. Le lit, it means the bed. Le lit, and we don't pronounce the T in lit. Le lit, the bed. Une chambre simple. Une chambre simple. A single room. Une chambre simple. Une chambre simple. Une chambre double. Une chambre double. Une chambre double. A double room. Une chambre double. Une chambre à deux lits. Une chambre à deux lits. Une chambre à deux lits. It means a twin room. Une chambre à deux lits. La télévision. La télévision. The television. La télévision. La télévision. Or sometimes in French we say la télé. La télévision. The television. Un mini-bar. Un mini-bar. Un mini-bar. It means a mini-bar in the hotel room. Un mini-bar. Un peignoir. Un peignoir. Un peignoir. It means a bathrobe. Un peignoir. Remember the letters G and N? We say, like comme magnifique, we say gne, gne. Please refer to the video I have made on these letters, GN, OI, which means wa, and EI. Peignoir, un peignoir, a bathrobe. Les pantoufles. Les pantoufles, it means slippers, the slippers. Les pantoufles. Les pantoufles. And here as well, the letters A and N, we say en. And the letters O and U, we say OU. Les pantoufles. Les pantoufles. Les produits d'accueil. Let's repeat one more time. Les produits d'accueil. Les produits d'accueil. And remember the letters E, I, and L. We say œil here and we don't pronounce the L at the end. Les produits d'accueil. It means bathroom amenities. And here we mean for the hotels, of course, pour les hôtels. Les produits d'accueil pour les hôtels, of course. Les produits d'accueil. Le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux. The hairdryer. Le sèche-cheveux. And we don't pronounce the X at the end. And the letters E and U, we say E. Le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, le sèche-cheveux, the hairdryer. Le fer à repasser, le fer à repasser, an iron, le fer à repasser, le fer à repasser. Une planche à repasser, une planche à repasser, an ironing board, une planche à repasser. Let's repeat one more time. Une planche à repasser, une planche à repasser. Le restaurant means the restaurant. Le restaurant, le restaurant. A and U, we say O. A and N, we say en. Le restaurant, the restaurant, le restaurant. L'ascenseur, the elevator, the lift. L'ascenseur, and if you want to say an elevator, we say un ascenseur, and we do the link. L'ascenseur, l'ascenseur, the elevator, the lift, l'ascenseur. Les escaliers, but we do the link. Les escaliers, the stairs, les escaliers, escalier, les escaliers, the stairs. Au septième étage, and we don't pronounce the P in septième. Septième étage, on the seventh floor. Au septième étage, au septième étage. La piscine, la piscine, la piscine. Piscine, the swimming pool, la piscine, la piscine, la piscine. La plage, the beach, la plage. Let's repeat one more time. La plage. Une station balnéaire, une station balnéaire. It means a seaside resort. Une station balnéaire, a seaside resort, une station balnéaire. Thank you so much for watching. I really hope you found it useful and it will help you to find the right French words when you are in a hotel. Thank you so much. Merci beaucoup. Don't forget please to support me in subscribing, liking and leaving me any comment. Merci, merci. Gros bisous à tous. À très très bientôt. Au revoir. Thank you.